Ah, coucou, bien, bonjour tout le monde, c'est Néo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une pluie d'étoiles, c'est magnifique! Pour l'épisode 36 de Diven RPG, madame, dames, messieurs. J'enregistre tout de suite à la suite du 35, j'ai quasiment pas bougé. Et je me tape des cyclopes, c'est vraiment très intéressant. Hein. Ils prennent bien cher, on s'en fout, on va les laisser tranquille. Si vous vous souvenez bien, dans l'épisode 35, qui est dû sortir il y a 2 ou 3 jours, je ne sais plus comment j'ai organisé ça. Nous avions fini l'Arcana, on avait chopé les armes qui était sympa, on avait battu le boss plusieurs fois d'ailleurs, aussi bien légalement qu'illégalement, si je peux appeler ça comme ça. Pour ceux qui ont vu l'épisode, ils voient de quoi je parle, du fait qu'il était buggé. J'ai oublié de boire entre les deux épisodes, excusez-moi. Donc, je prends une petite gorgée. Il m'a hit la moitié de la vie, salaud. Dégagez. Et on est dans le Mithril, donc c'est très hostile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, si possible, de se faire la prochaine blade. Donc il nous faut 42 âmes. Ouh, c'est bon, je l'ai eu. Sachant qu'on était là la dernière fois. Ok, c'est bon, on a l'air tranquille. On va se creuser un petit truc dans la... Ouh, il y a un coré en dessous. Il y a un coré en dessous. Alors attendez, je vais m'enfermer. Le cuir, qu'est-ce que je fais avec du cuir? Moi, j'ai tué des vaches, c'est ça? Pour se faire la prochaine blade, ensuite on ira voir pour récolter les dernières ressources, histoire de se faire la horde dans le comment dans le N, dans le néant. Et voilà, ça nous fera un prochain boss. Et puis moi je m'occuperai ensuite de en off de choper les souls, les mithril souls, pour faire le prochain portail pour la dernière dimension entre guillemets, la Hogite, donc la dernière dimension de ce mode-là, parce qu'après il y a le VCA, mais ça change totalement, vous verrez. Même moi, je comprends pas tout ce qui se passe dans le VCA, mais étant donné que je regarde une autre aventure, dans l'aventure de Captain Sparkles, ça va, je pense pouvoir me débrouiller assez, mais alors par contre, pour les explications, faudra être accroché, mais moi je ne comprends pas tout, et je pense que je dirais pas mal de bêtises ou quoi. Donc voilà, donc il nous reste la Mithril, Hogite, faire tous les boss, et ensuite on s'attaquera au VCA. Donc ça risque d'être dans pas mal de temps quand même. Alors, hop, nous en sommes à 9. Impeccable. C'est vrai qu'à ce moment-là, l'armure en Dravite, elle serait utile. Pour avoir plus de minerais, on n'est pas à 9, on est à 31. 31, 31. Donc il n'en manque plus beaucoup. Et c'est plus facile de la miner parce que les mobs dans cette dimension sont quand même super vilains. Il y en a beaucoup, ils sont beaucoup. Bon, là on est tranquille, c'est bien. Enfin, je dis ça, mais je fais gaffe parce que ouais, y a des coris qui se baladent et ça tire de loin cette merde. Et en fait, je me demande pas si c'est total. Oh, si ça marche ici. Ouh, ça touche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, donne-moi ça. Salut. T'es méchant, toi? Et moi, oui. Oh, déjà? Alors, 11 et 24, 35. Donc, il nous en manque plus beaucoup. 7. On va essayer de pas détruire la Yovite Blade. Comme ça, elle ira dans la collection. Puis voilà. Hop. Ah si, ça marche quand même, fortune, du coup, c'est pour ça que j'en ai plus avec les fragments, j'ai pas fait gaffe. Et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est tant mieux, ça en fait 39, il en manque 3. Un cori là-bas. Oh punaise, plein de cori ici. Allez. Ok, impeccable, toi t'es mort. Je sais pas si j'ai chopé une âme. Je crois qu'il m'en a pas lâché. Venez là. Ah, je me suis pris en pleine tête, lui. J'en ai pas assez, il m'en manque encore 3. Je les ai pas récupérés. On retourne dans le Mithril. On y retourne. Et je me gratte le nez. Pour changer. Voilà. C'est bon. On va retourner par là où on était, parce qu'il y avait quand même pas mal de minerais. Oh punaise, il y a des coris aussi, hein.
Enfin, ils sont vraiment nombreux. Est-ce que je suis en sécurité ici? Absolument pas. Je suis totalement à découvert. Alors, on va aller par là. Ouh, sympa ici. Ici, ça m'a l'air un peu plus safe. Ouais, il n'y a personne. Impeccable, on va continuer à miner. Et avec un peu de chance, on n'aura besoin que de deux blocs, je pense. Hop, 29. Oh, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. 30. Ah. On va en prendre plus, on va en récolter parce qu'au final, on pourrait même se crafter le portail parce que ça va relativement vite. Et bah, ça nous fait visiter un peu le midfield. Toi, tu vas pas faire le malin. Tu vas pas faire le malin, je te dis. Oh. Tourne, 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 tourne. Ok, c'est bon. Youf. Combien d'utilisation? 235, mais c'est bien ça. Ça me permet de me battre contre les Cori. Parce que je leur mets que des one-shot. Alors ça en fait pas assez. Pour faire le portail, et pour faire le portail, il m'en faudrait 132. Ce qui n'est pas assez, effectivement. Mais avec fortune, c'est pas mal. Et vu la chier de minerai qu'il y a comparé aux autres dimensions, c'est sympa. Alors. En tout cas, vous, j'espère que ça va bien. Hein, je vous fais la discussion. J'espère que bah, pour tous ceux qui révisent le bac, le brevet, tout ça, ça va bien se passer. Parce que voilà, c'est tout le temps chiant les examens. Hein. Je suis le premier à le penser. Surtout moi qui vais passer le bac de français, et je trouve ça totalement inutile. Surtout que je suis dans une filière technique, entre guillemets, enfin oui c'est technique je crois, ou technologique, non pas technologique, non technique. Je raconte ma vie, hein, je suis le 3615 My Life un petit peu, c'est vrai que je le fais pas beaucoup. C'est STG, enfin STMG maintenant, donc c'est tout ce qui est économie, marketing, gestion, il y a du droit et de la finance, enfin droit et finance quoi. Et le bac de français, c'est pas un truc qui va nous servir honnêtement. Donc c'est vrai que ça sert à rien de le passer, enfin pour moi en tout cas c'est vraiment quelque chose d'inutile et ça me fait clairement chier d'y aller. Mais je vais y aller pour éviter d'avoir des problèmes quand même, hein. Y aller par obligation même si je vais pas être obligé à faire des trucs. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, je vais les mains dans les poches et puis on verra bien. Donc voilà, bonne chance à ceux qui vont passer même leur bac en terminale ou quoi. Parce que c'est pas facile. Bon, le brevet... Si vous avez suivi l'année, c'est bon, hein, c'est pas, c'est un truc à la con, c'est pas vraiment difficile. Et puis voilà, je vous ai bien plombé le moral avec vos examens qui arrivent. Maintenant, j'ai envie d'éternuer. Ah, me rassurer. Ah, désolé. On est à 61 âmes. Donc voilà. Alors, il y en a pas mal. C'est vrai que je pourrais refaire une FAQ bientôt. Je crois qu'il y a les 2 ans de la chaîne qui arrivent. Je sais plus. La création, elle a été faite. Je crois que la création, ça devait être le 27 mai. Et la première vidéo sur la chaîne For All The Geeks, c'était quand? Ça devait être début juin. J'ai pas de truc de prévu pour les 2 ans de la chaîne. J'ai pas acheté de bonne webcam ou quoi de toute façon pour faire une FAQ et puis il y a des Cori en face de moi. Donc je sais pas, peut-être que je referai une FAQ dans... Non, je sais pas. Je sais pas du tout en fait. Je vais pas dire dans pas longtemps parce que j'en sais rien. C'est bon. Ouh. 2. C'est gentil. Il y a encore des Cori qui arrivent. J'étais bien dans mon petit coin là, il y avait personne pour m'embêter. Là, faut pas que je passe à côté de ça. Oh oui, faut pas que je passe à côté de ça. Ok. On mine. Ouais, faut que je vois pour la FAQ. Je sais pas. Et j'ai vu un projectile. Ouais, j'en ai vu un, c'est bien ça. Où es-tu, petit trop de cul? Tu veux que je vienne te chlasser? Ok les gars, arrêtez ça tout de suite, mais j'aimais bien cet endroit. Attendez. Hop. Ah ah! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Forteresse! Ok. Là je suis protégé. Alors j'espère que je vais pas tomber. Normalement il y a de la pierre en dessous.
Voilà, comme ça on est plus tranquille pour miner notre mithril. Voilà, c'est-il pas beau ça? C'est un peu long, mais bon, c'est comme ça. Ouh, un stack complet. Salut. Un stack complet. Ça fait deux stacks, ça fait 128. Il en faut 142, c'est ça? Non, il en faut 132. Ouais, il faut à peu près deux stacks. Hop, on va transformer les âmes qu'on a là. Hop, ok. Alors, les âmes qu'on a. Mithril Fragment. C'est énervant d'avoir le nez qui gratte. Ok, donc il faut au moins deux stacks. Hop là, reviens là. Laisse-moi au moins miner celui-là de loin. Voilà. Et celui d'en dessous aussi. Alors, ne me regarde pas. Ne me regarde pas de ton œil avisé. Ya. Taïo! Ouais, sympa comme dimension quand même. Ça change, il y a plus de structure et c'est moins île flottante effectivement. Je savais pas si ça allait faire pareil pour mon monde. Mais il faut croire que si. Vous ne me voyez pas. Ouais, heureusement qu'il y a cette armure dans le mode, hein, parce que honnêtement, je pense que ça serait galère. Ça serait très galère. Salut. Salut beau gosse. Tu veux te la mettre? Tu veux te la mettre? On n'a pas fait beaucoup de monstres donc. J'espère juste que je vais pas y avoir un projectile de Cory, sinon ça va me saouler. Alors, on va prendre ça pour éviter d'abîmer notre blade. Pour qu'elle fasse partie de la collection quand même. Allez, attention, je vais switcher. Et mince, j'ai oublié de switcher. Je suis un abruti. C'est pas grave. Hop, donne-moi ça. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Hop, impeccable. Ouh, 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 il y en a pas mal. C'est cool. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Hop. On continue à miner. Comme j'ai oublié de mettre mon minuteur. Je ne sais pas combien de temps ça fait. On va dire que ça fait. Ah. On va dire que je vais faire une coupure, juste le temps de regarder combien de temps ça fait. Donc, attendez. Ah, tout de suite. Ouais, ok, donc il nous reste à peu près 17 minutes, hein. Donc ça va, on est à 13 minutes, donc. Donc voilà, en grosso modo, il nous reste 17 minutes. Donc, ok, c'est bon, je vois. Je vois à combien je dois m'arrêter. Pour ne pas que l'épisode soit trop long. Allez, tu peux le faire, petit mineur. Donne-moi plein de fragments. Oui. Alors, bon, on a tout pris par ici. Oh là 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 là, il y en a des coris ici. C'est pas du tout le bon plan. Ok, là c'est un cul-de-sac. Oh, par contre là, il y en a. Vite, 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 vite. Prends la chicaxe. Hop, on va se protéger là-dessous. Normalement, il devrait galérer à m'atteindre. Normalement. Je dis bien normalement, si tout se passe bien. S'il est écrit ça dans le livre du destin, tout devrait bien se passer. Vu qu'ils galèrent à me tirer dessus, ils sont à perpète les oies, donc ça va. Ça va, c'est tranquillou. On prend pas la tête. On est caché. Et j'espère juste que mes âmes sont pas tombées là. Hop, enfin mes fragments. Voilà. Bientôt deux stacks, donc il faut deux stacks et quatre. Donc pour faire le portail et la blade, ça sera déjà pas mal. Alors, ok. Il m'en manque une petite vingtaine. Même pas. Même pas, même pas. On traverse vite. Vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas. Je suis invisible. Ninja. Zup. Ok, c'est bon, il me suit même pas. C'est bien. C'est bien. Ça m'évite de me faire courser. Hop. Je pourrais même descendre un tout petit peu plus encore. Voilà. Histoire d'être caché tranquillement et ne pas se faire avoir.
Ouais, c'est vraiment gorgé de Mithril hein, quand même. C'est bête qu'il n'y ait pas ça dans les autres dimensions et qu'on galère plus contre les mobs. Mais bon, d'un côté, c'est pas mal d'avoir des mobs aussi. Ça casse. 54, encore. Il en manque 14. Ouh, j'ai des coups de lag là. Waouh, les chunks qui se chargent, désolé. Hop. Le Cory là-bas me fait à moitié peur. Et je viens de faire tomber du Mithril. Oui. Une petite chauve-souris. Et des Cory là-bas. Bat, enfin, chauve-souris. Ouh. Pour un peu qui est-ce que je cherche. Allez. C'est sûr que dans les airs, ça met plus de temps. Voilà. Pas combien de temps ça met en plus, mais ça en met quand même pas mal. Hop. Et dis-moi qu'il y en a plusieurs que j'ai pas miné pour rien. Donne-moi plus de fragments. Merde! J'ai fait ça pour rien, hein! Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te la mettre? Tu veux te la mettre? Ah! J'avais oublié qu'il tapait de loin, c'est con. Wouah! Comment il m'a tué? Non, c'est pas possible. Attends, il m'en manquait. Il me manquait que 7. Oui, du chiffre 7. 7 fragments là, c'est pas possible. J'ai une soif de parler pour rien. Puis surtout que j'ai la bouteille qui me regarde à chaque fois à côté. Bref. Il me manque 7 âmes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi. Un petit cori, ah, la. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Allez, tombe. Tombe. Ok. Pef. Encore plus beaucoup. Ah, il y a quand même des petites îles flottantes avec des arcs. Waouh, ils font mal. Hein. Ils font 100 de dégâts. Tu m'étonnes que ça one shot. Ok, c'est bon. Les âmes qui sont tombées pile. Oh bah non. Je croyais que c'était le vide, mais non. Ok. Donc 64, il en manque 4. Ah! Sacré chunk qui se charge. Waouh! On va dire que je suis en sécurité. On va pas le dire parce qu'il y a un Cory là-bas et j'ai pas envie de retourner encore juste pour 4. 4 fragments. On va pas aller par là. Allez, on s'en aille, on s'en aille. Alors. Wow, salut toi. Allez. Non! J'en étais sûr que j'allais me faire avoir, punaise. C'est tout le temps les derniers, les plus énervants. Alors. On y retourne, hein, on va pas abandonner juste pour 4. Ce serait quand même sacrément con. Hein. Oh là là. J'en profite hein, pour refaire de la pub sauvage. Que juste après, je vais aller tourner du Dust. An Elysian Tale. Donc, si ça vous intéresse, passez voir l'épisode 1. Juste pour voir le jeu après, bah voilà, je peux vous conseiller l'épisode 2 qui est sûrement plus intéressant que le 1 pour moi. Parce que le 1, j'étais. Je venais de me réveiller, j'étais pas chaud chaud. Et le 2, vu que j'étais tout seul chez moi, bah, c'était un peu plus l'enjaillement. Donc voilà, si vous avez allez, une petite heure, je vous invite à regarder l'épisode 1 et 2 de Dust. Et puis vous faites-vous en un avis. Et puis si ça vous intéresse, continuez le let's play. Si ça vous intéresse pas, bah, vous forcez pas à regarder. Moi en tout cas, je continuerai ce let's play parce que c'est vraiment un jeu très très bon. Et il y en a pas souvent des comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il est magnifique, hein. Honnêtement, il est très très joli. Et je vais juste finir de prendre ça. Hop, parce que j'en ai assez de toute façon. Hop. Et. Hop là, voilà, impeccable. Bon, maintenant, on se casse d'ici. Tic 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 tic. Tic. Yahoo! Ciao bye! C'était un plaisir de vous rencontrer, Mithril Dimension. Voilà.
Impeccable. Yeah. Bon. Merci de m'avoir servi. C'était très gentil. Tu rejoins tes camarades, Blade. Et moi, je me s'occupe de faire ça. Ça. Des chunks. Attendez, je vais d'abord faire les blocs. Ça serait con de faire des chunks et que je puisse pas refaire des blocs après. Le 10, 8, tac, tac, hop, hop. Voilà. Bim! Allez, Death Metal Block, impeccable. Et là, on peut faire des chunks pour faire les. Des gemmes, puis les chunks pour faire des épées. Il m'en faut 7 et 7, il m'en faut 14. 3, voilà. Et là, c'est le rab. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bam, bam, bam. Tudding! Mithril Blade. Ah, là, par contre, là, elle est classe. Hein. Autant l'autre, j'aimais pas trop avant parce qu'elles étaient pas très belles. Mais là, elles sont plus vers l'avant. Ça ressemble plus à une épée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va laisser les chunks qui nous restent. Enfin, les fragments qui nous restent en rab. J'avais 5 donjons tokens qui traînaient. D'accord, très bien. Bon. Et on va mettre le portail. El porte pour. Comment on dit en espagnol? El portuego? Portaga? Ça, rien du tout, moi. Paf, paf, paf. Paf, paf, paf. Dans cette magnifique salle, je suis très fier de ma salle des portails. Alors, elle est très simple. Mais encore une fois, merci encore à toi, Dame Storm. Hein, si je me souviens bien, c'est ça. Dame Storm, j'ai peur de dire une connerie. Je crois que c'est ça, Damstorm. J'ai plus exactement ton pseudo, mais je crois que c'est ça pour le mode du portail. C'est vrai que j'y pensais pas. Et bah écoutez. Je crois qu'on est bon là. Je crois qu'on est bon au niveau des dimensions. Eh, c'est pas trop la classe. Dommage que ça soit. Ah, c'est pas classe du tout ici. Tiens. Voilà. C'est très con, mais. Donne-moi ça. Pourquoi il y a un trou là? Ouais, c'est pourquoi il y a un trou? Je suis pas d'accord. Hein. Donnez-moi de la pierre. Toi, tiens. Tiens, tu m'en donnes un, s'il te plaît. De la cobble, je dois bien avoir de la cobble qui traîne là-dedans. Voilà, comme ça, on se reprend un petit peu de pierre sur soi. Et voilà! Impeccable! Très joli. Bon! Bah on va aller faire un petit tour au royaume. On va rechercher de l'XP pour essayer d'avoir une butin. Pour mettre sur la Lucid Sword pour remplacer la Divine Sword au niveau des loots parce que voilà c'est bien. Ben, donne-moi l'XP, merci Keeper. Et ensuite on va regarder un petit peu ce qu'on a comme ressources. Alors, on devrait pouvoir se faire un œil de l'End. De toute façon, on va falloir qu'on aille dans l'End pour choper des Ender Shards, sachant qu'il en faut 27. C'est très facile à récupérer, ne vous inquiétez pas. On va enchanter un book, enfin un livre. Moi, parler beaucoup anglais. Protection 3, c'est bien, mais ça m'est pas utile. Ça m'est pas du tout utile. Alors, il nous faut un Hellstone Ingot. On a un Rupee. Et je crois qu'il nous faut de l'Harlémite. Hein. Mais l'Harlémite, on n'en a pas. Il n'y a pas moyen de la crafter, l'Harlémite. Y a pas moyen de crafter de l'art limite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas de. Ça c'est bon, les ingots. On a ça et ça, donc ça c'est bon aussi. Il nous faudrait. 27. On a combien d'Under Shard? On en a 20. Donc on va en chercher 7. On va aller faire un petit tour dans le land. Parce que voilà, c'est la famille, ça fait plaisir. Il nous reste 5-6 minutes. Donc on va finir ça sur le end. Dans le prochain épisode, on va. Comment ça va, ma gueule? Bah alors? On vient plus aux soirées? Tiens. Tu me suis? Yeah! Non, 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 non. Reviens. Reviens par là. Tiens, attends, tu veux pas genre te TP? Vas-y, viens avec moi. Il n'est pas mort! Il n'est pas mort, les gens! Wouhou!
Du coup, par contre, tu vas être chargé d'une mission. Tomatata, tu es officiellement chargé de la surveillance de ce portail. Acquiesces-tu ta mission, Tomatata? Acquiesces-tu? Merci, ça fait plaisir. Ah bah c'est cool, ça n'est pas mort, ouais. Ah ça me fait plaisir, tiens. Ça me fait vachement plaisir. On va même pouvoir essayer ça. Ah c'est cool. Ah franchement, la petite bonne nouvelle là qui fait du bien. Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Oh elle a esquivé! Ouh la tricheuse! Il nous faut 7 Thunder Shards et oui voilà, dans le prochain épisode, on s'occupera de faire le prochain boss. Enfin Arrêtez de vous TP! Aïe! Mais c'est pas vrai, mais c'est quoi le délire là? Mais non, mais. Arrêtez! Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh là là. Pourquoi ils voulaient pas prendre leur coup d'épée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'occupera de faire les boss. J'irai chercher de l'art limite et du rupee. Enfin, surtout de l'art limite parce que rupee j'en ai. Mais de l'art limite en off parce que c'est chiant. C'est du minage et c'est chiant à aller chercher. Toi, tu crèves. Voilà. Je vais me prendre un projectile dans la tronche. Aïe! Il m'en faut 7. Il m'en faut 7. On va se faire des Ender Spider. Mais arrêtez! Arrêtez de vous TP. Ok, aïe. Dégage, dégage, dégage. Voilà, j'ai pris les trucs avant de mourir. Mais arrêtez de me tuer, bordel. C'est pas cool du tout ce que vous faites. Hein? Moi, je suis pas méchant. Donc laissez-moi récupérer mes 7 Under Shards. Voilà, histoire que je finisse l'épisode. Ok. On va essayer la Mithril Blade. Echo. Elle est très très classe, hein, j'aime beaucoup. Tiens, alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu veux jouer au malin avec moi? Toi aussi, tu veux jouer au malin? Alors! Oui, je pète des plans, monsieur, mais je récupère un peu d'underpearl, ça fait plaisir. Et bim! Aïe, c'est pas très mal, j'ai mal joué. Tiens, ouh, un watching eye, impeccable. On va se la jouer au one shot, hein. Voilà. Alors. Vous vouliez faire une malin contre moi, mais ça le fait pas, ça. C'est quoi ça? Ah, c'est le portail. Ouais, c'est le portail. J'ai tapé dans l'œuf, je sais même plus où il est. Bah alors, hein? Moi je m'en fous, je suis un malade, ok, si je vous en déglingue plein, et c'est super facile d'en atteindre 27. Hein. On va pouvoir peut-être se le faire plusieurs fois, la horde. On va récupérer ça, attendez. Comment on fait déjà? Je crois qu'il fallait un piston, un truc du genre. Attendez. Je crois que si on fait ça comme ça. Hop. Je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr de ce que je fais. Yeah! On a récupéré. Aïe! On a récupéré l'œuf, on va pouvoir arrêter là l'épisode, on a suffisamment de trucs. Juste envie de re-shooter un petit peu d'Enderman. Aïe, merde, je les one-shot pas. Voilà! Ouh, trois autres! Trois Under Eyes d'un coup, ça fait plaisir. Tiens, donne-moi ça. On a chopé l'œuf, bah, faudra vraiment qu'on se fasse une salle des trophées après. Ça pourrait être sympa. Voilà, on en récupère encore un petit peu, ça fait plaisir, c'est la famille. Vu qu'on les one-shot. Aïe! Bon, bah voilà! On finit sur une mort encore une fois. On va se crafter les petites. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, voilà. Les Enderstones qui font toujours plaisir. Les Watching Eyes, j'en avais pas. Les chaînes. Hop! Donc on a 3 Enderstones. Dans le prochain épisode, j'aurai de l'art limite. On aura de quoi faire pas mal de fois le boss. Alors, désolé, mais là j'ai encore des renvois, c'est dégueulasse. Enfin, non, c'est pas des renvois, parce que ça devient vraiment, vraiment dégueulasse. C'est des roues bizarres. Je suis désolé. Hein. Et ben voilà.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de 36, je finis à 16h36, c'est impeccable. De mon côté, je vais aller tourner dans une cave, non je rigole. Je vais aller chercher encore un petit peu d'XP vite fait, très très vite fait. Tic tic tic, non. Andoï, tépais-toi. Je vais rechercher de l'XP pour me faire un butin 3. Enfin un butin même. J'ai combien? J'ai 20 niveaux je crois. Je crois que c'est ça, je crois que j'ai 20 niveaux. Attendez. Tiens. Hop, merde, donne-moi de l'XP vite fait. Voilà, j'ai 20 niveaux. Les vaches sont dans le sol, tout est normal. 20 niveaux, on va se faire un petit enchant. Oh merde, Cody. J'avais 19. Allez, 20, impeccable. Puissance 2, donc ça c'est pas mal pour les arcs, mais j'ai mieux que les arcs maintenant. On va se rechoper une trentaine de niveaux. On va retenter un enchant. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode 36 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à laisser un pouce vert, un commentaire. Vous connaissez tout ça. À me suivre sur Twitter si ça vous intéresse d'être au courant de ce que je fais régulièrement, de ce qui se passe. Si vous voulez savoir, peut-être... voilà. Voilà, si vous voulez savoir. C'est tout. N'hésitez pas à passer sur le serveur de NT qui n'est pas dans la description parce que je pense pas que je vais le mettre, mais n'hésitez pas, il est sur sa chaîne. Je passe souvent dessus en ce moment, donc voilà, si ça vous intéresse, venez me parler sur Twitter ou sur le serveur, tout ça, et donne-moi un butin, un recul 2, merci. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous à la chaîne, enfin voilà, je me répète et puis c'est tout. Je vous fais plein de bisous, merci à tous d'être aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. On a atteint depuis pas mal de temps les 2700 abonnés, ça continue à augmenter, merci à tous, je vous fais plein de bisous. On a encore une fois une nouvelle épée, vraiment classe, franchement ça doit être une de mes préférées pour l'instant, voire la préférée pour l'instant, parce qu'elle est vraiment super jolie, on ne voit plus mon visage. Épée dans la tête, épée dans la tête, épée dans la tête. Voilà, merci à tous, je vous fais plein de bisous et à la prochaine, ciao bye.